Bonjour à toutes, ici SkyGalaxia, j'espère que vous allez tout bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le septième épisode de... Le sixième épisode, excusez-moi, de Donjon... Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini, excusez-moi. Alors... Enfin, je crois qu'il faut qu'on aille retrouver... C'était... Ouh, le fier. Ah, ça fait pas l'ennemi. Ok. Rien là. Alors. Ah oui, ok. Objet déposé. Ouais, c'est très... Oui. Ah, hop. Vous pouvez utiliser une folie orbe pour rendre tous les ennemis de la salle confus. C'est pas seulement un vieil quand vous êtes descendu par un... Ici. Alors, nous sommes bien au sommet. Oh, je crois bien. Oui, on a retrouvé le patron. Bon, attendez-nous ici, vous deux. Skylessa et moi, on va essayer de lui parler. Oui, j'ai vraiment assez de force. Oh, fier, fier. Qu'est-ce que vous? On te cherchait, ou fier. Vous êtes toujours encore là. Je peux pas vous jeter la pierre. Quoi? Non, pas du tout. On voulait simplement... Non, de nous parler.
Je peux plus construire une maison. J'ai plus assez de force pour ça. Mais vous voyez, j'en ai encore assez pour me mettre en colère. Et cette rage. Attention, Skari. Vous allez y goûter. J'espère que vous êtes prêts. Est-ce qu'on peut voir? Ah oui. Oh. Hop. C'est bon. Crrr, vous. C'est bon, vous êtes content. Vous pourrez faire ce que vous voudrez. Bonne ou mauvaise. Il y a des choses qui ne changeront plus. Le monde d'aujourd'hui est comme ça. C'est escroquer ou se faire escroquer. Les gens honnêtes ne sont que des idiots. Les naïfs, comme vous, sont encore pires. Si vous n'êtes pas content, c'est pas chez moi qu'il faut venir pleurer. T'as peut-être raison, mais moi je veux pas l'accepter. Et puis, c'est pas de ça qu'on est venu parler. Ce qu'on veut demander, c'est de construire notre maison. Quoi? Je me suis moqué de vous et vous voulez que je travaille pour vous, un escroc comme moi? S'il te plaît. S'il faut des pokédars pour les matons, on en trouvera. S'il te plaît. Construire notre maison. Vous êtes vraiment incroyables, les pitiots. Vous vous rendez même pas compte que je me moque encore de vous. Moi, dans ce monde-là, travailler. J'ai plus le moindre espoir. Vous voyez cette cicatrice sur mon dos. Je peux même plus bouger normalement. Et encore moins être charpentier. Je peux plus construire de maison. Même si je pouvais, elle serait nulle. Vous comprenez pas? Le Pokémon à qui vous demandez d'être charpentier n'est en fait qu'un vieux débris inutile. Patron, ne dites pas ça. Vous, ils savent que vous avez été blessé. On leur a dit. Comment? Ils savent et pourtant, ils veulent quand même qu'on construise leur maison. Tu as dit que tu ne pourrais construire qu'une maison nulle. Alors, d'accord, on n'est pas difficile. Une maison nulle, ça nous va. Tu t'améliores avec le temps, mais pour l'instant, peu importe. On veut une maison que tu as construite. Si tu y mets tout ton cœur, on sera content de notre maison. Parce qu'on y sera heureux si elle a été faite avec amour. C'est ce qui compte. Et puis, les serpentiers t'admirent tellement, même si tu vas mal, même si tu n'es pas gentil avec eux. Ils croient toujours en toi. Ils te laisseront jamais tomber. Alors, qu'est-ce que tu veux faire pour eux? Ils sont prêts à tout pour t'aider. Est-ce que tu veux les laisser souffrir comme ça pour rien? Patron, on veut travailler. Travaillons ensemble. S'il vous plaît. C'était tellement bien avant. Les petits hauts. S'il te plaît, ouvrière. On a besoin d'une maison. Il n'y a que toi qui puisse construire celle de nos rêves. Allez, dis oui. Sniff. Patron, Moussillon, Sky, d'accord, je peux essayer. Non, je vais construire votre maison. Ouvrez fière. Vraiment? Oui, et j'y mettrai toutes mes forces, mais pas tout de suite, désolé, j'ai besoin de pleurer un peu, je crois. Un peu plus tard, Wolfia s'est remis de ses émotions et a promis de construire la maison en question. De retour du col du mirage, Ouvrefer et Charpentier se sont tous mis au travail. Avec l'aide de Sky et Moustillon, mais aussi de Marès, chacun a aidé comme il a pu. Et quelques jours plus tard... Bravo! Bravo, notre maison est terminée! Moi! Elle est assez particulière.
Désolé. Je peux vraiment pas faire mieux. C'est bizarre. Elle semble dégager une certaine chaleur. C'est vraiment agréable. Peu importe, non. Moi, je me suis bien amusé à la construire. Moi aussi. Moi aussi, c'est la première fois que je m'amuse autant. Comment dire? C'est vrai qu'elle n'est pas géniale, mais elle me plaît et je suis fière de l'avoir construite. Bon, elle est vraiment, vraiment pas impressionnante. On s'en fiche. Moi aussi, elle me plaît. Ou Pierre, le charpentier, il aussi me reste. Merci, merci beaucoup à tous. Tout le monde a mis son cœur. Et c'est ce qui me fait plus plaisir. Et c'est comme ça. Comme ça que, ça qu'on la voulait. Notre nouvelle maison! C'est beaucoup de blabla. Cool. Le lendemain matin. Bonjour Sky. Vous avez dormi cette nuit? Moi oui, sans bouger une patte. Je n'ai pas du tout eu froid. C'est vraiment bien d'avoir son petit chez soi. Il n'y a rien de mieux. Maintenant qu'on a une maison, on doit s'occuper d'agrandir Pokédex. Je voudrais installer plein de choses. Quel genre de choses? Par exemple, des champs pour culture, des cultures, ou encore des dojos pour s'entraîner. Je veux créer des stands utiles pour nos futures aventures. Bon, vu que ce lot est sur des terres mystérieuses, on risque de découvrir un donjon en creusant. On peut avoir des surprises. En tout cas, je vais déblayer ce lot pour pouvoir le développer. Et puis aussi, on va devoir trouver des compagnons sur qui on peut compter. Si on trouve deux autres compagnons, on peut s'inscrire en tant que compagnon. Une fois inscrit, c'est même plus facile de passer à l'aventure. Bon, ce n'est pas une raison pour accepter n'importe qui. Mais j'ai envie d'avoir des compagnons. Des compagnons? Sur qui on peut compter? Par contre, on ne peut pas tout faire à la fois. On va y aller tranquillement pas à pas. Allez, au travail! Ok. Tiens, Monsieur Marès? Bonjour! Que fais-tu là, c'est tout? Bonjour! Moi, j'attendais que vous soyez réveillé. Hein? Tu nous attendais? Suivez-moi. Voilà. C'est quoi? Un tableau d'affichage? Exactement. C'est un petit cadeau de ma part. Je l'ai appelé tableau des missions. Vous y trouverez de quoi progresser dans votre aventure. Des missions pour lesquelles vous devrez poser des lunettes ou des objets. Il y aura aussi des demandes provenant des habitants des environs. Toutes sortes de choses, donc. C'est bien pratique. Les missions nous rapportent des bouquets d'or et des objets. Moi, vous fait. Pendant que j'y pense. J'ai installé une boîte de dépôt ici, comme celle du village relais. Vous pouvez l'utiliser pour stocker des bouquets d'or ou des objets. J'ai aussi ouvert une boutique ce matin. Je ne suis pas trop bien achalandé. Mais si vous avez besoin de quelque chose, venez, je vous montrerai ce que j'ai. N'hésitez pas à m'acheter ce dont vous avez besoin. Merci pour tout, Marest. Tu nous rends fier service. Mais pourquoi es-tu si gentil avec nous? Tu nous as déjà aidé à construire notre maison. Moi, je sais pas trop pourquoi je fais ça. Peut-être parce que tous les deux vous êtes drôlement courageux. Quand je vous vois faire ces efforts, j'ai envie de vous donner un coup de main. Ouais, comment dire? Je ne suis pas vraiment du genre à m'amuser. Mais quand je vous regarde, moi, je me sens débordant d'énergie. Ouais. Bon, c'est pas tout ça. Je vais vous expliquer comment fonctionne le tableau des missions. Comme vous le voyez, il y a toutes sortes de mémos de missions sur le tableau. Vous choisissez une mission qui vous plaît dans le lot, vous prenez le mémo et hop, après moi, vous allez donner le mémo au comptoir. Bah oui, vous le donnez à Jean-Marie qui tient le comptoir. C'est ça. Quand vous êtes prêt à partir, faites-moi signe. Bah voilà. Et quand c'est fait, vous pouvez aller au donjon de la mission. En gros, vous savez tout. Choisissez vite votre première mission. Prenez-en dont une, vous vous souviendrez. Tu me laisses choisir, Sky? Il y a tant de choix. Je sais.
on va faire celle-là. Hop. Après ça, il suffit de donner mes mots à Zumarine. Et c'est bon. Bienvenue à tous les deux au comptoir. Quelle mission avez-vous choisi? Celle-ci, s'il te plaît. Très bien, c'est noté. J'autorise la procédure de départ. Ah, la porte s'ouvre toute seule. La porte des missions est ouverte. Bon courage à tous les deux. Ça va comme ça? Oui, c'est parfait, mais il suffit de passer la porte pour arriver au donjon de la mission en question. Au fait, Moussillon, quel genre de mission as-tu choisi? Je suis un gros curieux, mais tu veux bien me la montrer? Voyons, voyons. Au secours, je suis coincé au mont Tok Tok. Je pensais pouvoir le gravir sans trop de soucis. Mais je me suis rendu compte trop tard que j'étais perdu. Désolé, quelqu'un veut bien m'aider? Signé et sur l'ordre. Moi, c'est un peu moi nul, non? On a vu plus passionnant comme mission. Idem pour la prime de remerciement. Ça ne vaut pas tripette. Tu es sûr de vouloir prendre ça? Oui. De tous les tableaux, c'est un solo qui a l'air d'être le plus dans la panade. Je me fisse un peu des ressentiments. Ce que j'ai vu, c'est aider un Pokémon. Sniff. Moi, je suis vu. Vous êtes vraiment de bons petits. Il ne vous reste plus qu'à quitter la place et rejoindre le donjon. Filez, mes petits. Oui. Allons-y, Sky. Allez, on va s'arrêter là pour cet épisode. C'était beaucoup de blabla. Mais inquiétez-vous pas, après, ça va s'enchaîner. Je vous dis merci à tous et à très vite pour le prochain épisode. Bye bye.